Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux façons de créer un dégradé dans du texte avec Filmora 12. Restez avec nous. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, toujours ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors, n'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos tutos futurs. Si vous êtes nouveau ici et que vous souhaitez suivre ce tuto, vous pouvez aller télécharger la version gratuite de Filmora directement depuis notre site internet filmora.wondershare.fr. Les textes et les titres sont des éléments essentiels dans les vidéos. Parfois, la couleur du texte elle-même peut donner des indications sur l'ambiance et l'atmosphère d'une vidéo. Laissez-moi vous montrer la première façon de créer un dégradé dans Filmora 12. Alors, on va créer un texte basique en nous rendant dans la catégorie des titres, sous-catégorie texte en clair. Je vais choisir ce texte pour cet exemple. On le glisse dans la timeline et on ouvre son panneau des configurations. Ici, je vais changer le texte pour « Bonjour », choisir ma typo favorite et la configurer sur 90. Dans cette fenêtre, vous trouverez dans l'onglet « Personnaliser » à droite le sous-menu « Remplir ». On modifie le type de remplissage sur « Dégradé de remplissage ». Alors, vous verrez une barre de couleurs avec deux carrés de sélection de part et d'autre de celui-ci. Ici, je vais choisir un dégradé allant du bleu turquoise au violet. Alors, on peut également modifier l'angle du dégradé grâce à ce curseur juste ici. Mais on va le laisser sur 0 dans le cadre de cet exemple. Depuis l'onglet des animations en haut, vous pouvez ajouter des animations prédéterminées pour pousser le niveau de personnalisation encore plus. Voyons voir à quoi ça ressemble pour le moment. Si vous aimez beaucoup les effets de texte en dégradé, la prochaine astuce que je vais vous donner va vous permettre de créer votre texte avec une animation de dégradé. Alors, on va dans un premier temps choisir le texte depuis la catégorie des textes. Je vais garder le type de texte de l'exemple précédent. Une fois que vous avez fini vos changements, assurez-vous que tout soit correctement comme vous le souhaitez, puisque nous allons faire un imprimé écran de ce texte, il n'y aura pas de retour en arrière possible. On se rend ensuite dans la catégorie médias libres, sous-menu film stock, et on dépose la couleur unie noire dans la première piste vidéo. On prend ensuite un screenshot, un imprimé écran, en cliquant sur cette icône appareil photo située en dessous de la prévisualisation juste ici. Alors, comme on n'a plus besoin des deux clips, je peux les supprimer de la timeline. Le screen est tombé automatiquement dans la catégorie média au niveau du média de projet. On va le glisser dans la seconde piste vidéo. Et en cliquant sur ce clip nouvellement ajouté, vous aurez accès à tous ces paramètres ici à droite. Nous, on va se rendre dans la section images basiques et trouver le menu de composition. On modifie son mode de mélange pour produit. Une fois fait, rendez-vous dans la catégorie des médias libres, sous-menu Film Stock, cette fois-ci section dégradé de couleur, et on va choisir un dégradé. Alors ici, je vais prendre le dégradé qui part du rose clair en violet en mode vertical. On va faire en sorte de le faire pivoter pour qu'il se retrouve à l'horizontale. On va le glisser dans la première piste vidéo et on l'aligne avec le clip de l'imprime écran. Si vous pouvez voir le dégradé directement dans le texte, c'est simplement parce que son mode de mélange a été configuré sur produit, laissant ainsi apparaître ce qu'il y a dans la piste juste en dessous. Alors,
pour animer le dégradé. On va ajouter des images clés à ces attributs de position. Avec le clip de dégradé sélectionné, on reste dans le menu images basique pour y chercher ces attributs de position, donc juste ici. On va jouer avec ces paramètres pour créer l'animation. Alors, placer la tête de lecture au tout début du clip, on va se préparer à poser les images clés. Pour créer la première, on va modifier la position des X, donc des abscisses du dégradé, de manière à ce qu'il couvre tout juste les lettres de droite de notre mot. Comme ça. On clique une fois fait sur le petit diamant pour verrouiller cette position à ce moment précis. On déplace ensuite la tête de lecture à une seconde et on repositionne le clip du dégradé, mais cette fois pour qu'il couvre tout juste la lettre située la plus à gauche du mot. Voilà, revisualisez bien votre travail au fur et à mesure pour vous assurer que vous aimez. Nous ici, je trouve ça pas trop mal. On va ajouter quelques effets maintenant qui vont donner un peu de peps à notre scène. Alors ici, on ajoute l'autocollant élément 7 dans le menu Tendance. Voilà, ainsi que l'effet Glow dans les effets recommandés. Alors évidemment, n'hésitez pas à ajouter votre propre touche. Filmora ne manque pas d'effets en tout genre. Allez, voyons voir l'effet final. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un dégradé dans du texte de deux manières différentes en incluant des animations dans Filmora 12. Alors dites-nous comment vous avez trouvé ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne souhaitez pas manquer nos prochains tutos à l'avenir. Moi je vous retrouve dans les commentaires, restez créatifs.